Votre autre actualité, Patrick, c'est cette annonce cet été, une annonce que je n'ai pas beaucoup appréciée. Votre prochain one-man show serait aussi le dernier. Est-ce que c'est possible de mettre un veto ou de faire une, on peut se cotiser sur change.org, une pétition? C'est pas possible ça, Patrick. Pourquoi ça serait le dernier? Eh ben c'est exactement la réaction que j'attends, justement, qu'on me demande pourquoi. Non, mais parce qu'il y a des humoristes qui s'essoufflent, mais vous, le dernier spectacle était tellement, on peut le dire, il était dingue le dernier spectacle. Vous êtes sur la pente encore ascendante. Pourquoi arrêter maintenant? Mais parce que ça fonctionne, parce que justement, parce que vous allez vous ennuyer. Un spectacle de trop, peut-être, et de se dire, voilà. Et puis, alors c'est vrai que le thème des adieux, je me rends compte, puisqu'on a commencé à l'écrire, là, vraiment, il est construit et tout, mais là, maintenant, on rentre dedans. C'est un vrai thème, donc ça vaut le coup de vivre ces adieux quand on vous dit non, pars pas, plutôt que dégage ou je viens pas. et il vaut mieux partir avant qu'on vous fasse partir, quoi, vous voyez le principe. Ouais, et c'est vrai, c'est pour ça que j'y crois. Donc ça s'appelle adieu, peut-être, merci, c'est sûr. Il y aura peut-être un adieu, c'est sûr, qui sera le final de ce dernier spectacle. Oui. Il n'y a personne qui y croit. Non, personne n'y croit. Vous rendez compte, comme c'est jouissif pour moi. Oui. Moi, en tout cas, j'y crois. Et ce que je veux, c'est surtout saluer ces gens. Et je vais être obligé de toute façon de le faire parce que c'est en décembre 2020. C'est vrai que c'est dans janvier 2021 à l'Olympia. Et il y a déjà beaucoup de places. Donc il y a des gens qui ont déjà pris leur place. Donc moi, ça m'émeut à chaque fois. Non, vous avez vu, je perds ma voix. Là, je suis sûr. Michou, sors de ce corps.